Bien, bonjour à tous, c'est Willy Jamad et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Spécial Gêneur Dévastation. Alors, très chers amis, ce que nous allons faire dans cet épisode, la dernière fois, on s'était amusé à ramener les buildings de repair en bas. Et bien aujourd'hui, les buildings de repair, on va s'en servir, à savoir qu'on va commencer à construire les couloirs de manière à pouvoir me faire mes salles, hein, parce qu'il serait temps. Et pour le coup, en faisant mes salles, tout mon système pourra déménager en bas. C'est d'ailleurs pour ça que j'y ai mis l'une de convoyeur. Oh putain, ça redéconne. Alors, je sais pas pourquoi, ça me le fait de temps en temps. Mais là, les pistons ne sont pas... Les pistons ne sont pas refoutus à fond. Et pourtant, je comprends pas, hein, j'ai pas quitté le jeu ni rien. Hein. Ça me trigger, je sais pas ce qui se passe. Donc, on va relancer ça. Hein. Je comprends pas bien. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça s'amuse à me faire ce genre de choses. C'est bon? Bon. Il y a des trucs que je piche pas, je sais pas pourquoi. La plupart du temps ça marche, mais il y a des fois ça marche pas. Pourtant, j'ai pas changé la vélocité, ni rien. Hein. Hop. Là, vous voyez, là ça marche. Ça s'est remis à la bonne position, à la position normale, quoi. Oui, je sais pourquoi, ça tient en un seul mot: Kin. Oui, bon, d'accord, c'est vrai qu'In Software fait beaucoup de merde. Ça, je te l'accorde volontiers. Ok, donc. Alors, ici, on a déjà un bel éclairage, hein, franchement, un grand soleil dans le souterrain de Willy. Non, mais je suis vraiment obligé d'en débattre. À un moment, c'est King Software, vous avez raison. Alors, tac, donc là, tac, tac, et là, tac, tac, hop, on va pouvoir, pour le coup, s'approvisionner ici en termes de plaques d'acier et en termes de plaquage d'intérieur. Pour l'instant, j'en compte que 130, ça me suffira bien. Alors, j'ai comme projet donc de me faire déjà, hop, alors c'est pas, non, ça, si, c'est des escaliers. Voilà, déjà, hop, bah de. S'il te plaît, un peu de tenue. Voilà, merci. Alors évidemment, ce sera un couloir, hein, je vous le dis. Ensuite, alors, ce que j'ai prévu de faire, et ça, c'est parce que j'ai trouvé le design sur un vaisseau. Sur un vaisseau, ça m'arrive régulièrement de regarder le workshop. Et donc, pour le coup, c'est un design de mur d'intérieur, je crois. Alors, je sais pas si j'ai mis ça ou si j'ai mis celui. Vous savez quoi, si on va essayer les deux. Les buildings de repair, c'est quand vous voulez que vous faites votre taf. Je les ai pas allumés, je pense que maintenant je suis vraiment trop con. C'est bon, non, mais je sais pas pourquoi je m'emmerde, moi, des fois, non, vraiment. Hop, voilà, allumez-vous et faites votre taf, bordel de merde. Ok, à partir de là. Ah bah, ça construit déjà beaucoup de trucs, hein. Voilà. Donc pour ça, on est bon. Et donc, pour ici, alors, mur intérieur, ça y fait. Est-ce que c'est eux? J'ai pas l'impression. Tac, 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 vire le skin, et donc pour le coup, j'avais dans l'idée de mettre en un peu plus blanc, mais je crois pas que c'est ce bloc-ci, bien que ce bloc-ci rendrait plutôt pas mal. Hop, tiens, vous savez quoi, on va faire une comparaison des deux, c'est encore plus simple, je pense. Hop, voilà. Et au niveau des murs d'intérieur, c'était quelle face? Je crois que c'était cette face-là que j'avais vue. Voilà, on va pouvoir faire une petite comparaison des deux. Là, vous voyez, c'est un sol qui rend plutôt pas mal, je trouve. Mais je sais pas, je préfère ce sol-là. Je préfère ce sol-là, je sais pas, je le trouve plus joli. Pas ce que vous en pensez sur le chat, tiens. Et après tout, vous êtes sur le chat, vous avez des privilèges tels que bien entendu me conseiller.
Qu'est-ce que vous en pensez de ces blocs? À votre avis, c'est lesquels qui correspondent le mieux en termes de sol? Est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est cela? Partie 1, partie 2. Faites-vous plaisir. Le temps que vous me le dites, je vais me mettre une lumière parce que de nuit, j'y verrai rien. Hop. Ah non, c'est light. Pardon. Le plus blanc, partie 2, je préfère l'autre, les deux vont. Bon. Ah, il y a besoin de composants de construction. Partie 1. J'ai beaucoup de partie 2, beaucoup de partie 1. Partie 2, partie 2, partie 3. Évidemment, il fallait que mon drone troll, obligatoire. Vache! Oh, elle m'a ramollé le conduit celui-là. Alors. Hop. Antares, tu sors. Merci. Partie 4, il me dit. Construis-moi ça. Et vite fait. Merci. Hop, je vais la configurer direct. Le temps que les gens. Le temps que les gens en discutent. Extreme Light 5. Tac. Mettre souterrain, comme ça on est bon. Alors, au niveau du rayon, bouc, au niveau de l'atténuation, ça on laisse, l'intensité, on a diminué un petit peu. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle une lumière. Une vraie. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat? Les deux vont, partie 3, partie 2, partie 2, partie 2, partie 2, partie 2. Ok, partie 2, la plus blanche, à savoir la partie 2. Les deux vont, nanani bon, a priori les gens ont plus l'air d'être fans de la partie 2 que de la partie 1. Et c'est exactement mon cas aussi, je préfère cette, comment dire, hop. Je préfère cette partie-là, je sais pas, je trouve ça plus joli. Donc bah du coup on va faire ça. Tac. Parfait. Et bien, le repère, on va récupérer ça et tout de suite. Merci. Alors, tac. Les murs d'intérieur et les classiques cette fois. Merci. Ah, chiotte. C'était celui-ci, je crois. Non, celui-ci. Merde, putain, c'était quoi? C'était. Je sais plus, c'était les quoi la couleur. Chiotte. Lance un vote, mais je suis en épisode, tant pis, hein. Je ferai ça. Je sais plus c'était quoi la couleur que j'avais mis juste avant. Moi, cette couleur-là me paraît bien. Couleur-là me paraît bien, c'est ni trop blanc ni pas assez, je trouve ça plutôt bien. Ok, alors attendez, ce que je vais faire par contre, c'est que, bien entendu, il va pas y avoir que ça comme grandeur. Hop. Voilà. Après, je suis susceptible de changer la couleur, hein. Si je me voulais un peu plus blond, je mets un peu plus blond, c'est pas bien grave. Ok, donc ça, on est bon. Alors ensuite, les murs. Alors, les murs, j'avais dans l'idée de. Parce que là, pour le coup. Tac, 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 tac. Ouais, si. Ça abonde dans mon sens. Tac, tac, tac. Donc, hop, hop. Voilà. Je me le prends en noir, le plus magnifique du noir. Voilà. Tu mets ça en clean armor, s'il te plaît. Voilà. Et donc, à partir de là. Allez voir, ça va rendre bien, ça va rendre bien. Mais si, messieurs. Même si pour l'instant, je vais avoir des doutes. Ça rendra bien. Je vous l'assure, mes amis, je vous. Ah! Raté. On va peut-être mettre une barrière. Ça me paraît être un peu dangereux, cette histoire. Tout
tout va bien, tout va bien. Ok, donc, hop, on va continuer. Hop. Voilà. Hop. Ça fait plus mal donner, t'auras moins mal aux pieds. Oui, on peut le voir comme ça. Comment tu comptes organiser ton sous-sol? Alors, comment est-ce que je peux organiser mon sous-sol? Excellente question. Et je m'en vais d'ailleurs y répondre de suite. D'un côté, il y aura le stockage. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai un projet en cours qui s'appelle le projet entrepôt, que j'ai entrepris de faire en off. Pas en live, hein, pour le coup. Et pour le coup, vous verrez de quoi il s'agit quand je le construirai. Ça arrivera normalement incessamment sous peu, je pense. Je compte faire en sorte que... Alors, d'un côté, il y a les industries, style assembleur, raffinerie, génération d'hydrogène, etc., etc. Et d'un autre côté, le stockage. Donc à savoir, minerais, lingots, etc., etc. Et bien entendu, il y aura le script... Easy Savoy Manager. Voilà. Une barrière anti-chute de bébé. Oui, oui, ça peut marcher, c'est vrai. Pas dit forcément de bébé, mais oui, oui, ça peut marcher, bien sûr. Hop, ok. Et donc ensuite, une fois qu'on est là, on va se mettre hop, à 5 ici. Et donc là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Hop, voilà. Ça doit être en climat normal. J'ai l'impression. Hop. On va donc prendre ceci. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça, voilà. Et donc, on va donc faire ça comme ça. À savoir que... Hop. Ici, donc, comme ceci. Ensuite, nous allons avoir... Tu veux bien te... Montre-toi, bloc de merde. Excusez-moi. J'ai perdu le bloc que je voulais, et il est pas là, il est pas ici... Comment ça, il est pas là? Attendez, où est mon bloc? Mais non, attendez, il est pas là. Où est ce bloc de merde? Il est pas là... Bah merde alors. Ouah, j'ai perdu le bloc que je voulais mettre. Ah, il est là. Je peux... N'importe quoi, vous dites. Vraiment n'importe Nawak. Le Woody devient barge. Ok. Hop. Alors, sous toute réserve, ça sera peut-être modifié un petit peu, mais... Hop. Voilà. Ensuite, j'avais dans l'idée de faire ceci comme ça. Hop. Et donc ensuite... Ensuite, bien sûr, ensuite. Tac, tac, tac. J'avais dans l'idée... Merde. Voilà. De mettre... Cette couleur-là. Vous allez voir, c'est un design que je trouve joli pour ma part. Hop. Voilà. Alors ça va vous choquer, moi qui n'ai pas l'habitude de mettre des lumières. Là, va y en avoir. Je vous le dis. On va se mettre à peu près au même niveau pour tout. C'est pas relié là? Bah bon. Le Woody fait n'importe quoi. N'importe nawak. N'importe nawak. Pour un ascenseur, tu pourrais mettre des charnières. Et attacher dessus un sol grillagé. Non. Non, 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 ça ira, merci, vraiment. Enfin, si, en soi, je pourrais, mais... Pour le coup, non. Ça ira, je trouve que l'ascenseur est déjà bien assez... est déjà bien assez maudit comme ça, hein. Donc, merci de la proposition, c'est non. Je vais mettre à des questions, moi. Je suis toujours preneur. Tac.
T'inquiète pas, il y a un truc bien plus simple que je vais faire. Hop. Ensuite, comme ça et comme ça. Ah, attends, c'est bien, ça fait. C'est très arrondi. C'est pas du tout comme ça dans le plan que j'ai sous les yeux. Hein. Dans le plan que j'ai sous les yeux, en fait, c'est par 3, c'est pas par 5. Là, j'ai fait par 5, donc forcément, c'est un peu différent. Hop. Et pour le coup, j'ai fait un poil trop, j'ai l'impression. Et en fait, par la suite, ce serait comme ça. Pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa, mais à voir après. Alors, par contre, attendez. Non, attendez. Non, je dois me tromper. Ça doit pas être ça. Au niveau des blocs, je dois me planter. Ça doit pas être ça parce que ça correspond pas. Ça correspond pas. Ça correspond pas parce que là, pour le coup, là, ça fait un bloc. Mais alors, c'est quoi comme bloc qui a été utilisé pour ça? Des tuyaux au plafond du dernier, ça pourrait être sympa, non? Oui. Absolument, oui, ça peut très bien le faire. Mais alors, attends. Attends, 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 attends. Bon, très cher ami, j'ai réfléchi à la chose et je reviens vers vous à tout de suite. Ça risque de prendre un moment. Eh bien, chers amis, donc, j'ai commencé un petit pattern de couloir en bas grâce à l'aide du chat notamment qui m'a pas mal conseillé à ce niveau-là. Alors, comme vous le voyez, l'arche qui est ici est actuellement intacte. Sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai eu la surprise de voir que c'était pas. En fait, que l'arche était totalement explosée. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui a fait ça. Mais pour le coup, voilà, je. Vraiment aucune idée, je sais pas du tout comment mon arche a pu se retrouver dans cet état-là. Mais bon, là, elle est là, du coup j'ai fait un rechargement de sauvegarde, vous pensez bien, parce que bon, voilà quoi, c'est un moment, ça me fait un peu chier. Mais je sais pas du tout comment l'arche a fait pour être dans cet état-là. J'arrive pas à comprendre. Pareil, sur ce chose qui arrive. Donc, très chers amis, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, juste, attends, je vais faire une sauvegarde quand même. Voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une connerie. Voilà. Au niveau des couloirs d'en bas, donc, laissez-moi donc vous montrer ça. Hop, alors déjà, en bas, j'ai fait exactement pareil qu'ici. Vous voyez qu'ici, il y a des passerelles. J'ai fait en sorte qu'il y ait exactement les mêmes passerelles en bas. Normalement, ça clanque pas, hein, je dis bien normalement. On va voir ça tout de suite. Ça ne clanque pas, comme vous voyez. Ça va s'ouvrir sous peu. Voilà. Et donc, voici le pattern du couloir. Alors, vous allez me dire, c'est très noir et très rouge, oui. Pour ma part, j'aime bien. J'aime bien le fait que ce soit bien éclairé, je trouve ça plutôt chouette. Après, si jamais vous avez d'autres conseils au niveau de la lumière, au niveau des couleurs, tout ça, je peux potentiellement essayer, voir ce que ça donne, mais bon, moi, pour ma part, je trouve pas ça trop dégueu encore. Ici, j'y ai mis donc les nouveaux panneaux avec bien entendu un bouton pour me permettre d'appeler l'ascenseur si jamais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer et on va peut-être commencer à se faire la première salle, parce que comme vous voyez, j'ai un peu de place. Donc on va essayer peut-être de faire ce genre de choses. Alors attendez. Hop, on va se reprendre. Les murs intérieurs. Putain, ça m'a vanné cette histoire. Mur intérieur sci-fi, non, des murs intérieurs tout court, connard. Pas besoin de murs intérieurs sci-fi. Les murs intérieurs sci-fi sont moches. Voilà, des questions. Tac. C'était pas ça, c'était ça. Voilà. Je trouve le pattern du sol bien. On dirait presque du carrelage. Je trouve ça chouette. Personnellement, moi j'aime bien. Après, je sais pas, c'est sans doute pas le cas de tout le monde, mais. Moi, je trouve ça bien. Hop, on va continuer un petit peu le couloir quand même. Hein. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je le construis. Hop, ça peut potentiellement vous donner des idées, ou même vous permettre de me donner des idées, hein, parce que même, ça va dans les deux sens. Hein. En vrai, c'est un design relativement simple, mais malgré tout relativement efficace.
Le truc des arches rouges là, c'est alors c'est l'idée de base vient de GG, mais je l'avais vu dans un autre comment dire, dans un autre design de vaisseau. Et pour le coup, les deux combinés, donc l'idée de GG plus la couleur rouge, je trouve ça chouette en vrai. S'il te plaît, merci. Hop. Voilà. J'ai pas eu de commentaires me disant que le son était trop faible cette fois. J'espère que mes problèmes de son sont réglés. Même si j'ai jamais réellement eu de problème à mon goût, mais. On me l'avait signalé. Donc pour le coup, voilà. Hop. Alors, donc là, pour le coup, entre chaque orche, j'ai mis donc 5 blocs. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, au sixième. À savoir ici. Et donc voilà comment ça va se passer. C'est très simple. Hop, on prend la couleur rouge. Donc là, la conférence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, tac. Tac, tac. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a deux couleurs rouges ici, parce qu'en fait, si jamais j'en mets qu'une, à savoir si là, si je mets du noir, enfin, si je mets du noir derrière ce bloc-ci là, et ben en fait, ça fait une espèce de barre dégueulasse comme il y a là, là. Déjà que cette barre là, j'aimerais pouvoir la virer. Alors, montre le couloir que Antares t'a proposé et que t'as refusé. Alors oui! Antares m'a proposé un couloir, le couloir que vous voyez actuellement, si jamais j'ai pas oublié de le mettre au montage. Ce couloir est très joli, hein. En demeurant, ce couloir est magnifique, qu'on soit clair là-dessus. Sauf que bon, c'est pas une cathédrale, mon sous-sol, hein. Non, vraiment, hein. En soi, je dirais pas. En vrai, si jamais les... Si jamais les, comment dire, si jamais les petits blocs pouvaient être dans le sol sans mode, je le ferais. Je le ferais, le design je le trouve vraiment super sympa. Le truc c'est que ben sans mode, les petits blocs ne peuvent pas être dans le sol. Voilà. Donc vu que ça m'emmerde un peu, ben j'ai pas tellement le choix malheureusement. Merde, j'ai oublié de mettre la couleur rouge de ce côté-là. Heureusement, je peux passer dehors, ça c'est bien. Non, voilà, malheureusement pour le coup, je peux pas faire en sorte de faire le couloir qu'Antares m'a proposé, bien qu'il soit très joli, mais malheureusement, je pense infaisable pour moi. Après, bon, Antares m'a dit, sinon tu le mets sur quatre rotors aux quatre coins de, aux quatre coins de ton couloir. Alors, oui, potentiellement, mais bon. J'ai pas trop envie qu'il se passe des trucs à la sauce destinée, vous voyez, il y a trop de blocs, nanani nanana, le jeu peut pas le gérer, nanani nanana, enfin bref, ça casse les couilles, quoi. Ben voilà, j'aimerais éviter ce genre de choses. Mais en soi, son design est très joli, j'aime beaucoup. Dédicace à Jeanne, oui, bah écoute, dédicace à Jeanne, je me sers. Tac 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 tac, hop. On est en train de me vanner sur le chat parce que je connais pas Jeanne Masse. Un branlé de Jeanne Masse, je sais pas qui c'est. Mais voilà, on est en train de me vanner sur le chat parce que je connais pas Jeanne Masse. Proposition de construction. Me demandez pas, hein, me demandez pas, ce sont des choses qui arrivent. Je veux pas tout savoir. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de savoir qui c'était, donc. Bon. Alors. Là. Willy, pour la barre, il y a un mode Edge Beacon qui supprime toutes les barres. Oui, mais c'est pareil, c'est un mode, ça me fait chier d'en rajouter un. Quoi. Et en soi, oui, si mais je pouvais, je rajouterais 10 milliards de modes, sauf que le jeu, il est buggé du cul. Alors, je peux pas vraiment rajouter tous les modes que je veux, malheureusement. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup, tu penses. Mais malheureusement, c'est difficilement possible dans l'état actuel du jeu. 4, 5, 6, parce que si jamais il y a des bugs. Bah oui, ça va pas être de la faute du jeu, hein, surtout pas, non, ça va être de la faute des mods, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais, c'est ça le problème. Donc bon, comprenez bien que j'aimerais faire tout ce que je veux, mais malheureusement. 3, 4, 5, hop. Malheureusement, il y a des fois où c'est pas forcément évident. Comme on peut s'en douter. Étant donné que le jeu est codé avec le cul, et étant donné que les développeurs ont pas prévu de faire quoi que ce soit pour améliorer ça, on est prêt à sortir un autre jeu et faire encore payer, tu sais. Style un Space Engineer 2, par exemple.
je vous jure, ce Space Engineer 2, dès qu'il sort, je l'ai, je le teste. Mais alors, vous allez avoir mon avis en prime time. Je suis quasiment certain que ça va vous plaire à beaucoup de monde. Ah bah après, je dis pas, hein, le jeu sera peut-être super. Mais si jamais le jeu, je vois un bug, je te jure que je serai au bullshit. Je serai au scandale, j'attaque en justice et tout et tout. Woody, ton arche quoi, mon arche? Mais laisse-la tranquille, mon arche va très bien. Arrêtez de me traumatiser avec mon arche, elle a été détruite, je sais même pas comment. Arrêtez de me traumatiser avec cette foutue arche, bordel. Tout va bien, tout va bien. Alors attendez, donc là pour le coup j'ai ça, j'aimerais essayer de mettre autre chose. Pas l'autre contrôle ça il fait, voilà. Oh. Ah j'aime bien, tiens. Ah j'aime bien, je vais mettre ça. Pour avoir un accès, évidemment à tout. Hop. Alors, lumière intérieure, la 3 et la 4. Hop. Intensité à 0,5. Voilà. Lumière intérieure, ça et ça, j'en ai pas besoin, ça dégage. Oui, ça c'est les lumières de l'ascenseur pour info. Voilà, comme ça, comme vous voyez, ça, c'est pas un design qui est très très long à faire, hein. Mais néanmoins, c'est un design qui est plutôt sympa. Si jamais vous avez des idées pour agrémenter, je sais pas, mettre des cadres, ce genre de choses, n'hésitez pas, hein, moi je suis preneur. Mais le design, je le trouve plutôt chouette. Ok, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, un trou au centre, ici. Un trou au centre, ici. Alors, j'ai prévu, je vous le dis, hein, j'ai prévu d'y faire passer des tuyaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, j'ai mis un renfoncement. Ce sera viré et remplacé probablement par des tuyaux afin que tout soit connecté. Mais, tu vois, pas forcément en mode dégueulasse, c'est... J'ai un tuyau par-ci, un tuyau par-là. Ça, je peux très bien le faire par-dessus, hein, je veux dire. C'est pas comme si j'avais pas la place. Mais bon, pour le coup, je me dis que de montrer le tuyau, ça peut être sympa. La donne automaton est fou, 10 ans de retard, mais c'est fou. C'est pas faux. Ok, donc, à partir de là. Hop, toi, tu dégages. Tac. Voilà, tu vas te mettre... avec cette couleur là. Voilà. Tac. Ok, comme ça on est bon. Là j'ai un vaisseau, c'est quoi, Gremlin X. Ok, donc t'as pas. Alors attendez. A partir de là. Porte. Déjà, parce qu'à un moment on passe pas se priver. Alors je vais mettre des portes classiques, hein. J'ai pas eu tout l'intention d'y mettre des portes, de hangar, des portes de coffre-fort. Si jamais ça avait été animé, les portes de coffre-fort, je les ai remises. Mais bon, c'est pas animé, donc à un moment, je sais, fuck. Hop. Alors attendez, il y a une autre porte. Voilà, qui est comme ça, qui est pas si mal, mais j'aime bien laisser un décalage. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir commencer à faire les salles. Alors, je vous explique le plan que j'ai en tête. Le plan que j'ai en tête, c'est, avant toute chose, avant de faire un quelconque plan de quoi que ce soit, les ressources. Les ressources de base, il faut les raffiner. Donc pour les raffiner, d'abord, on va avoir une salle qui va être la salle des raffineries. Hop, alors ça prendra la taille que ça prendra. Hop. Mais je vous garantis que ça va être une belle salle. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça, ça me laisse potentiellement la place pour mettre des murs si jamais.
Et là, ça va qu'on soit sec, les gars. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va mettre la même de ce côté-là. Voilà. Pour le moment, évidemment, rien n'est relié hein, au niveau des... Au niveau des raffineries, tout ça, parce que bah, simplement j'ai pas la place pour l'instant. Et le projet entrepôt verra le jour bientôt. Donc à un moment, on va pas se mentir que voilà quoi. Je propose 400 raffineries, 2000 assembleurs full améliorés. Oui, bien entendu, évidemment. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Non, par contre, tu me donnes une idée. Tu me donnes une idée, j'ai encore le mode cornucopia. Je me dis qu'une seule raffinerie, tu sais. Oh mais non, la console d'un gigabit, je peux pas l'assumer. Non, la console d'un gigabit, d'un gigawatt, pardon, c'est pas faisable. Donc non, on va se prendre des raffineries normales, c'est bien aussi les raffineries normales. tac. Alors, attendez. Peut-être des raffineries industrielles. À voir potentiellement ce que ça pourrait donner. Elles ont une connectique en dessous sur le côté, elles en ont pas dessus par contre, ça c'est très embêtant. C'est très embêtant mais néanmoins pas tant que ça. Pas tant que ça, tac tac tac. Alors, déjà ce que je propose c'est de la mettre droite dans un premier temps. Ce sera déjà pas mal hein. Voilà, et donc de là, pour le coup, je peux potentiellement faire ça comme ça. Alors attends, ça peut rentrer là, ça peut sortir là au niveau des ressources. Donc ça, ça passerait. Ça passerait, ça passerait. Ma porte est où? Ma porte est là. Donc je peux m'en faire deux comme ça. Tac. Tac. Y a un truc qui me dérange. Un truc qui me dérange, alors que pourtant ça n'a pas lieu de me déranger. C'est bien. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai dans l'idée, alors c'est peut-être totalement con, mais hop, on va quand même essayer de faire ça relativement stylé. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Et dans l'idée d'y mettre des grilles métalliques, évidemment, avec toute la sécurité qui va bien. Hop, voilà. Je trouve ça chouette comme ça. Je trouve ça bien, moi. Je pense que vous en dites. Je trouve ça plutôt sympa. Tac, tac, tac. Ensuite, donc là, pour le coup, ici, il va bien entendu y avoir ça. Donc attendez. On va quand même essayer de faire un truc hein, légèrement sympa, même si bon, j'aurai pas fini dans cet épisode, hein, qu'on soit clair. Mais bon, hop, voilà. Et donc ici, on peut mettre ça comme ça. Donc là, évidemment, hein, faut penser qu'il y aura les murs et tout. Hein, ça va pas se faire comme ça. Hein. Hop. Après tout, j'ai la place, hein, c'est-à-dire. C'est pas comme si j'avais pas prévu. Au niveau de la place, je trouve ça va. Hein. On est pas mal. Tac. Ok. Ensuite, ici, on peut laisser un espace. Enfin, plutôt même deux espaces. Parce que là, il va y avoir les améliorations, évidemment. Mais moi, il faut que je puisse passer si jamais. Donc, hop. 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 Et hop. Ok, donc là déjà j'ai 8 raffineries mais c'est pas fini.
On va l'appeler Lord Willy Farka. Lord Willy Farkad. D'accord. Oui, oui, non, mais très bien, mais bon, encore un nom que je connais pas. Hop. Alors. C'est pas des rêves de grandeur, là, c'est uniquement juste, je m'amuse à faire du stick. Alors, rien de rêve de grandeur là-dedans. Hein. Hop. Hop. Alors. Merde. Pour l'instant, comme ça, pas dit que ça reste comme ça, parce que je vais peut-être y mettre une troisième rangée. Parce que là, pour le coup, 8 raffineries, ça me suffira pas. En haut, j'en ai plus. Tiens, attends, j'en ai combien en haut? Je saurais même pas dire. Attends, j'ai combien de raffineries en haut? Attends, excusez-moi, faut que je regarde. Faut que je compare. Au passage, compare, compare. Je compare mon arche par rapport à avant, elle va très bien. Non, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient, ces dégâts de... Ces dégâts, là. J'ai vu une vidéo américaine où le gars a fait des assembleurs en mode répétition qui se stockent. Qui se stoppent quand leur production. Bah oui, mais qui se stoppent quand leur production est finie. Bah oui, c'est normal, ça se fait avec des scripts, ça. Sauf que les scripts, c'est relativement long à faire. Hein. Alors, j'ai combien de raffineries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12. J'ai 18 raffineries, donc effectivement, 8, j'en suis loin. Hop. J'en suis très loin. Hop. Oups. Non, 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 reste là, reste là, reste là. Ah, ah, pardon. Forcément, fallait bien que ça arrive un jour. Elle me recharge un bouteille d'hydrogène quand même. Bon, allez, très chers amis, j'espère que ce live de Spécial. Pardon, j'espère que cet épisode de Spécial Génère vous aura plu. Voilà, je sais pas, j'essaie de réfléchir au niveau de mon art. Je sais pas comment elle a pu être. Comment elle a pu être déglinguée à ce point. J'ai beau. Et vous réfléchir, j'arrive pas à trouver. Bah bref. J'imagine que je trouverai jamais de réponse. C'est chose qui arrive, hein, comme on dit. Mais bon, ouais, ouais, là je suis traumatisé, mais réellement. J'arrive pas à piger pourquoi pourquoi l'arche c'était éclatée comme ça. Alors on m'a parlé d'un système. Alors, oui pour info. On m'a parlé d'un système qui peut détecter les ennemis à 2,5 km avec un bloc de défense, avec un bloc événementiel. J'essaierai peut-être de m'y mettre parce que pour le coup, ça peut être sympa de savoir si jamais il y a un drone qui a moins de 2,5 km et qui vient potentiellement me flinguer la tête, tu vois. Ça peut être vachement bien. Moi je dis, ça peut être... Ça peut être vachement chouette. Bon, enfin bref. Moi, écoutez, très chers amis, je vais me mettre en PLS ici. Voilà. Jusqu'au prochain épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Oh, un mauve. Oui, bah, il va rester mauve. Il va rester loin, surtout.